Salut les amis, et ben voilà, je suis bientôt sous la grande arme de la défense. Je vous retrouve pour cet acte 21. Je rejoins la fin puisque j'avais un impératif aujourd'hui, mais je suis quand même là, fidèle au poste. Après toutes ces mésaventures sur les réseaux, sur Twitter, ça commence à devenir drôle puisque ça devient... C'est l'effet stressant qui bat son plein puisque finalement je me rends compte que plus je serai censuré, il n'y a pas que moi d'ailleurs, plus ça fera des petits, plus les gens voudront s'exprimer par eux-mêmes et suivre un certain nombre de personnes qui simplement... essayer de montrer le réel, ce qui se passe dans ce beau pays qu'est la France. Et donc je n'ai toujours pas de nouvelles de Damien Viel, monsieur le patron de Twitter. J'ai eu son numéro, je lui ai envoyé un texto bien courtois, bien gentil pour avoir des nouvelles. Il ne m'a pas répondu, mais je retenterai ma chance dans la semaine, gentiment. Voilà, de toute façon, c'est plus trop la peine de parler. Les uns et les autres, vous mobilisez, il y a de plus en plus de monde. Quand je vois un certain nombre de comptes qui appellent à la haine, qui appellent au meurtre, qui appellent à l'assassinat, qui sont des faux comptes, ben voilà, moi je suis censuré, mais c'est pas grave, je suis toujours là. Vous voyez, les forces de l'ordre prennent position. Ah, les gilets jaunes arrivent. Bonjour à tous. C'est vrai que cette censure, elle est quand même assez préoccupante. Moi, je l'avais dit avant l'élection d'ailleurs, vous vous en souvenez. C'était pas Madame Irma, c'était assez facile à comprendre, à analyser, à imaginer cette disparition des corps intermédiaires. Cette espèce de monarque, je suis seul contre tout, je vais vous expliquer comment ça marche. Ben non, ça marche pas comme ça. Voilà. Le monde qui commence à arriver. Salut Lisa, salut Dieu, salut Angèle, salut Sandrine, salut Boopskin, bonjour Mirabel, salut Sylviane, salut Nanoux, salut Nicole. Merci à vous. Merci.
On va aller voir un peu cette marée humaine là. Salut Bruno. Salut Claude. Salut Caroline. Bon, j'ai vu que je sais pas qui a lancé, salut Grenoble, qui a lancé une pétition pour la censure sur Twitter. Allez, l'ai mis sur mon compte Facebook. Signez-la, allez sur Twitter aussi si vous avez Twitter. Retweetez simplement pour que, même si les gens ne sont pas d'accord, on puisse continuer à faire vivre la démocratie, la liberté d'expression, et qu'on arrête d'être menacé de mort ou de traiter de je sais quoi, de fasciste, de complotiste, de conspirationniste. Chaque fois qu'on n'est pas d'accord avec un certain nombre de décisions. La France est un pays de débat, c'est une vieille démocratie et on est quelques millions à vouloir que ça dure comme ça, même si on n'est pas d'accord. Et au contraire, si on n'est pas d'accord. Voilà. Salut Christian, vieux copain de Lyon, qui peut dire que je n'ai pas changé, comme dirait Julio Iglesias, dans mes engagements. Depuis que je fais ce métier, j'essaie de toujours montrer les choses dans toute leur complexité. Et bon, c'est des joueurs, je suis très prudent, très très prudent. Pas de problème. Voyez les centaines, les milliers de gens qui affluent. Merci en tout cas de vous être mobilisé autant, aussi vite. C'est impressionnant le nombre de gens qui se sont réabonnés d'un coup là. Merci beaucoup, ça fait chaud au cœur. Merci les amis. Partagez, c'est très important. Salut la famille Eugénie Maisto. Ça, c'est la plus intelligente de mes cousines. Et elles sont toutes intelligentes. Elles sont une surdouée. Discrète, efficace. Une vraie maïsco. Maïsto, c'est une famille de résistants. Je raconterai un jour l'histoire des maïsto et l'histoire des Césaro. Tout à fait intéressant. Non, il n'y a pas grand monde. Hein. Effectivement, il y a quelques gilets jaunes. Oui, je vais faire des analyses de sang cette semaine, promis. Ah, ça m'a un peu mieux aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de mal à respirer, beaucoup de mal à déglutir aussi. J'ai regardé, alors je ne sais pas si c'est vrai, il paraît qu'il y a du cyanure dans les gaz. Macron, démission. Je vais faire mes analyses, Philomène, pas de problème. J'ai un iPhone simplement. Salut Véronique, salut Bichette. Non, mais je vais les faire ces analyses.
Non, moi j'ai pas saigné du nez encore, mais il est évident quand même que les produits, j'étais surpris, surtout à la fin du mois de janvier, ça commençait à être plus fort, mais lors de l'acte 20, là, c'était vraiment quelque chose, quoi. Ouais, cyanure, quand tu fumes, il y en a, mais là, il y en a, je sais pas ce que c'est, mais c'est assez concentré, c'est assez irritant. Hein. Salut Nicolas. Encore un maïsto, bah ils aiment bien les gilets jaunes les maïstos, faut croire. Hein. Ils se demandent bien pourquoi. Pourquoi? Parce que c'est une famille de travailleurs. De père en fils. Merci beaucoup. Je ne vous connaissais pas. Je suis très vraiment super. J'ai regardé vos émissions et vos lives. Twitter et Twitter, mais c'est super pour nous que ça vous arrive à vous. Bah oui. Parce que vous, ça ne doit pas vous arriver. Normalement, ça ne doit pas m'arriver. C'est ça. Et donc ça, pour la cause, c'est génial. Et bravo, parce que je regarde cette radio depuis pas très longtemps, mais avant de vous connaître. Et vraiment super. Et le live. Merci. Et avec Maxime et Juan. Ouais. Bon, il y avait c'est sympa. Vraiment très très bien. Ouais. Très très bien. Tous les jeudis. Non mais voilà, je saurais maintenant, ouais. Mais je suis devenue une fan. Moi, je suis très à gauche, je sais que vous avez du RPR. J'ai dit bon, j'aime quelqu'un qui a de RPR, tant pis. Tout arrive. Hein. Exactement, tout à fait. L'important, c'est qu'on récupère notre démocratie et notre souveraineté. C'est ça. Voilà, je suis hyper d'accord. Merci beaucoup. Merci. Bon, de plus en plus de gens qui suivent, qui s'abonnent, qui partagent. Au moins, on se dit qu'on sert à quelque chose. Il y a beaucoup de monde, mais ça arrive non-stop là. Je ferai un plan après de l'autre côté, un plan général. À la paella de Maman Branco, extraordinaire. Hein. Avec, comme je dis, le petit romarin, les Saint-Jacques, le top du top. J'ai eu Juan tout à l'heure, il est en Corse là. Merci. Et donc, super la maman de Juan, super famille d'ailleurs, je dirais. On a l'impression. Et il y a des familles comme ça dans lesquelles on rentre. On a l'impression de se connaître depuis toujours. Et ça, ça fait du bien. Voilà, donc on est sur l'esplanade de la Défense, il y a effectivement l'hélicoptère. Ouais, il y a un hélico là qui fait des plans d'ensemble, je pense. Ça arrive doucement, mais sûrement. Des gens un peu partout sur l'esplanade. Bah, les escaliers, là, je vous ferai un plan d'ensemble, sont aux deux tiers plein, je dirais, pour l'instant. Au début, là, il y a beaucoup de gens qui affluent. C'est quoi le tabac 100%? Je sais pas ce que c'est. J'avais arrêté 8 ans, j'ai repris. Il faut vraiment que j'arrête de nouveau là. J'ai repris fin août là. C'est un frère. Comme un débile. On va tous se réunir là-bas.
Salut Tony, salut tout le monde. Allez. 10 000 personnes, ok. Mais là-bas, on sera tous les deux. 10 000 personnes sur Paris. Oui, merci pour la pétition encore une fois. Je ne sais pas qui a eu cette idée, mais c'est une bonne idée. Qu'on soit d'accord ou pas, j'allais dire surtout si on n'est pas d'accord. Si on n'est pas d'accord. Salut Franck. C'est important de faire vivre la démocratie. C'est important au moins de connaître les règles sur les plateformes des GAFA, parce que bon, j'ai strictement rien fait. J'ai mis entre guillemets, comme vous le savez, des propos haineux pour les dénoncer. Et j'ai appelé tout le monde au calme, et notamment les gens qui étaient anti-gilets jaunes, pour leur dire de... que dans la vie on ne peut pas tout faire, qu'il y avait un certain nombre de comportements à adopter. Je faisais appel à un minimum de décence. Et c'est moi qui étais suspendu. Alors personne n'a compris, moi le premier. Et surtout j'ai fait appel, on m'a suspendu mon deuxième compte. Et j'arrive pas à voir une personne humaine. Ah salut ! Tiens, quelqu'un qu'on connaît là. Eh, vous connaissez ce mec-là ? Attends, je vais voir s'ils te connaissent. Mais t'as une barbe, toi, hein ? Bah oui, j'ai une barbe. Pourquoi t'as cru au poisson d'avril, toi aussi ? Attends, moi j'y croyais pas, hein. Je croyais que c'était une fausse barbe que t'avais. Non, mais t'as cru au poisson d'avril ? Voilà, je tire dessus. Eh, si vous me dites qui c'est, vous le connaissez ? Non. Vous connaissez lui ? Vous me reconnaissez ? Non. Vous voyez toute la journée. Ça va, Jérôme ? Je te fais la bise. Je connais pas. Ça va, tonton ? Ouais, t'as vu que l'argent de la finance est bien protégé ? Ça va ? Hein ? Vous êtes qui, Jérôme ? Didier Maistre, Sud Radio. Sud Radio, d'accord. Bah, vous êtes sur le Globe 777. Je suis une chaîne militante, en fait. Très bien. Attends, je vois sur les marches. Ouais, j'arrive. Je suis contre l'injustice sociale en général. Et je fais du vlog militant. En général, je donne la parole aux citoyens. En tout cas, à ceux qui ont des revendications très bien. À dire, tout simplement. Voilà. Et tout à l'heure, j'ai entendu un truc sur Sud Radio. Ah, vous avez fait un bon truc. Il y a quelqu'un qui vous a remercié pour quelque chose. Mais alors... Pour Étienne Chouard. Voilà, tous les jeudis. Exactement. Donc il y a quelqu'un qui m'a parlé d'Étienne Chouard. Voilà, tous les jeudis de 19h à 22h à peu près. C'était dans l'autre direct. On fait une émission avec Étienne Chouard. Ça fait des années que... Laissez-moi votre carte. Je connais ce qu'il fait, Étienne Chouard. Non, mais moi je suis pas avec lui. Hein. Non, mais je vous écoute, moi. Ouais, mais moi je louche. Des fois j'ai un mec. Excuse-moi. Mais je louche vraiment. Ouais, non, mais je savais pas. Je pensais que vous étiez ensemble, non. Et je regarde à droite, à gauche, tout simplement. Bon, bah, je vais monter là-bas, et merci. La marche était dure. Salut Tony, salut Dimitri. Bon, je viens de voir Jérôme. Je vais claquer la bise. Ouais, elle a beaucoup plu la dernière émission avec Juan. Bon, Juan, c'est vrai que des gens comme ça, ça fait partie des gens d'abord, un, qui vous rendent intelligent. Vous avez l'impression, quand vous avez discuté avec lui, d'être plus intelligent qu'avant. Puis il y a aussi l'intelligence du cœur, qui est peut-être la plus importante. Donc des gens comme ça sur Sud Radio, c'est toujours un bonheur, un plaisir. C'est calme, on se prend pas la tête, on échange, tout le monde se respecte, ne se coupe pas la personne, ne se coupe la parole. C'est très agréable. C'est pour ça que moi j'ai décidé
pour l'instant de ne plus aller sur les plateaux des chaînes d'infos. Et je privilégie des débats longs, salut Toulon, salut Cyril, des débats plus longs où chacun peut exprimer, dérouler une pensée un peu plus complexe qu'une punchline comme ça balancée de manière agressive. C'est celui qui parle le plus fort qui a raison. Donc, j'ai une voix qui porte, mais en fait ça ne m'intéresse pas de hurler comme ça sur les plateaux de télé. Ça sert à rien. Quoi. Alors c'est pas, il y en a qui me disent tu devrais y aller, c'est idiot parce que ça fait une voix de plus, mais je trouve que c'est tellement cacophonique que bon, je suis pas sûr qu'on ait quelque chose à y gagner, que la démocratie a quelque chose à y gagner. Finalement on sert un petit peu de faire valoir de sujets, ça leur fait un sujet, et puis si on peut pas exprimer le fond d'une pensée, je vais faire plus que deux phrases, bon, je vois pas trop l'intérêt, moi. Tout à fait comme les autres. Comme j'ai pas besoin d'exister, de me montrer, j'en ai rien à faire. Bon, vous voyez quand même, une petite idée du monde. Ça arrive. Ciao Massimo. Faccio una telefonata per Lorenzo, eh? Domenica. Apparemment, tout s'est bien déroulé. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Maintenant que les périmètres, il y a un certain nombre de périmètres qui sont interdits, premièrement. Deuxièmement, comme si les périmètres sont interdits, plus d'alliés principaux de la police, c'est-à-dire plus de Black Bloc. La police, je ne devrais pas dire la police d'ailleurs, je devrais dire plutôt de l'exécutif. Donc si les périmètres sont fermés, si les gilets jaunes vont dans les périmètres autorisés, ce que je dis moi depuis le début, je dis aux gens, quelles que soient leurs opinions, déclarez vos manifs. Déclarez vos manifs. Les quartiers sont bouclés, c'est difficile de faire entrer des casseurs. Et donc depuis que les quartiers sont bouclés, plus de casseurs, il n'y a que des gilets jaunes et plus de casse. Voilà. Mais dire ça, c'est encore conspirationniste. Il va falloir trouver autre chose, je ne sais quoi. Je pense le fait de minimiser les chiffres, mais ça c'est pas nouveau. Mais au niveau de la casse, ça va être difficile. Ça aussi, c'est une sorte d'effet Streisand. Oui, et puis je parle beaucoup, avec beaucoup de policiers, toujours. Bien sûr qu'ils sont dans la réserve, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas tout à fait d'accord avec ce qui se passe, hein, dans la police non plus. Mais bon, c'est comme ça. Il n'y a pas que des excités. On n'est pas des excités, on se bat pour quelque chose. Non, mais je ne parle pas de ça. Ah. Je parlais de la police. Thank you.
troisième. Merci. CRS, quel est votre métier? Pour qui la radio, elle est pas mal celle-là. Ça t'avait elle, ok. Macro, Nicomo, Macro, Nicomo, Macro, Nicomo, Macro, Nicomo, Macro, Nicomo, Macro, Nicomo, Macro, Nicomo. Emmanuel Macron, oh que je le cours, on a recherché chez toi. Emmanuel Macron, oh que je le cours, on a recherché chez toi. Emmanuel Macron, oh que je le cours, on a recherché chez toi. Emmanuel Macron. Aux armes!
Mac, Mac, Mac. Ugh.
Baissez-vous. On va le faire tous ensemble. Et doucement, La, la. Les gilets jaunes. Thank you.
Bon, voilà les amis, je vous ai montré un petit peu, j'ai pas fait de commentaires, plus ça va, moins je ferai de commentaires, ça sert plus à rien. Il suffit de montrer les choses, de montrer le nombre de personnes, donc ça suffit, c'est pas la peine de parler. Je vous demande, si je peux être entendu, effectivement, ne restez pas à la fin des manifs, n'allez pas dans les endroits interdits, ça sert à rien. Rentrez tranquillement chez vous, tous les gens qui manifestent. Et puis, puis voilà, parce que c'est après qu'il y a des débordements qui sont plus ou moins organisés, parce qu'il faut absolument, bien sûr, des images pour dire que ça se passe mal et qu'il y a eu des débordements. Et à la fin, on va montrer aux 20h, hein, le graphique. On a l'habitude, hein, c'est plus la peine de se répéter, on le dit peut-être une dernière fois. Affluence en baisse pour le 21e acte des Gilets jaunes. Ils vont montrer les petits graphiques où on voit que ça baisse inexorablement. Et encore des incidents. Ça, c'est la deuxième antienne. La troisième, c'est les commerçants se plaignent, le chiffre d'affaires baisse. Et enfin, monsieur le ministre de l'Intérieur, les ministres diront que c'est un mouvement insupportable, etc. etc. Bon. Moi, je ne rentre pas dans cette polémique, dans cette dialectique. Je vous montre, je vous ai montré un petit peu l'étendue de la mobilisation, le fait que c'était calme, les mots d'ordre qui sont de plus en plus, j'allais dire, personnalisés, puisque j'ai vu tout à l'heure quelqu'un qui disait il y a moins de slogans. Et effectivement, il y a moins de slogans aujourd'hui de ce que j'ai pu voir. C'est vraiment le président de la République et le ministre de l'Intérieur qui focalise les attentions et un peu les slogans complètement hostiles, je dirais, aujourd'hui. Voilà, il n'y a rien de nouveau sous le soleil ou le semi-soleil de la Défense. Tiens, voilà, je vais vous montrer la tour Areva, hein, d'Atomic Anne. Je ferai un live un jour sur Areva, c'est tout à fait intéressant. Hein. Voilà, je vais vous montrer ça après. Voilà, la tour Areva. Intéressant, histoire d'Areva. Voilà les amis, eh bien écoutez, alors je ne sais pas combien de manifestants, j'ai vu Jérôme Rodriguez, salut, tu vas bien ? J'arrive, hein. Jérôme Rodriguez qui me disait 10 000 personnes à Paris aujourd'hui, voilà, de sources sûres, apparemment plusieurs fois recoupées, 10 000 personnes aujourd'hui, et effectivement il y avait quand même beaucoup de monde. Moi j'ai rejoint simplement l'acte à la fin pour me rendre compte et vous rendre compte surtout de l'importance de la, ou pas d'ailleurs, mais là pour le coup il y avait du monde, de la mobilisation, et donc je vais rentrer tranquillement effectivement parce que je ne veux pas rester prendre des lacrymogènes, me battre, enfin on n'est pas là pour ça, donc moi je suis là pour vous montrer un peu les choses et pas pour aller taper ou tâter, je dirais, de la matraque. Voilà, salut à tous, bon dimanche, essayez de prendre ça avec philosophie, il va faire doux, même s'il ne fait pas très beau sur toute la France, les beaux jours arrivent, bon, mais les chiffres, ne vous mettez pas martel en tête avec les chiffres, de toute façon, les chiffres officiels, on sait à peu près quoi en penser, donc c'est pas bien grave, il faut juste montrer, il faut rien dire, il faut prendre les chiffres officiels, et filmer en face les choses, et puis on va dire, ben voilà, regardez, vous voyez ça, je vous ai montré l'esplanade de la Défense, et il faut dire ça, c'est 300 personnes. Voilà. Bon, je pense que certains donnent des cours d'algèbre, de mathématiques et de calcul à Maxime Nicole, et ben je crois qu'il est encore, il a trouvé son maître, il y a des gens qui comptent encore moins bien que lui, puisque
l'énorme masse de personnes que vous avez vues à la Défense, eh ben, tout ça fait 310 personnes à peu près, sans plus. Voilà. Salut les amis, passez une bonne fin de samedi, un bon dimanche, reposez-vous bien, soyez avec vos amis, votre famille, lisez un bon bouquin. Et puis on se retrouve très vite. Hein. Salut, ciao.